on va aller là-bas. Ça fait penser effectivement au monde du sport puisque c'est du catch. Ah, il faut être sportif. Et simplement, comme nous habituellement on a un débat, on s'est dit que cette soirée-là, bon bah il n'y aurait pas, on ne savait pas que vous alliez vous disputer. Et notre débat, au lieu de le faire avec des arguments, des éditorialistes, on a décidé de faire un débat qui était sur le thème de conflit central dans la société française récemment, qui était le gouvernement contre les jeunes. Ouais. Plutôt que d'avoir encore une fois des gens qui allaient faire des grandes phrases, on s'est dit, au bout du compte, pour savoir qui a raison, il y a toujours un moment où il y a une tarte qui part, et là, c'est le sport qui commence. Alors, on a donc pour représenter le gouvernement... Ah, bah, dis donc. Attends. Vous représentez bien le gouvernement, monsieur. Oui, je représente bien le gouvernement. Pour représenter les jeunes, qui des deux va l'emporter. Et on a des commentateurs sportifs. Absolument. Qui vont pouvoir donc décrire le match. Absolument. C'est le débat du jour. Toi, tu vas être consultante. Voilà, j'ai consultante. Arguments, effectivement, alors, qui sont autre en tant que consultante, je peux dire déjà que les petits maillots sont saillants. Les petits maillots sont saillants. J'ai l'impression que le gouvernement est plus serein. J'ai l'impression que le jeune est un peu tendu quand même. Est-ce que vous êtes bien un peu en hommage à un ministre en particulier ou... Pas du tout, non. D'accord, ça pourrait être en note, très bien. Bah, peut-être qu'on va vous débarrasser de ça. Alors, c'est incroyable. Attends, j'ai le début du débat. Ouais, le débat risque d'être musclé. Le gouvernement qui enlève sa veste. Ouais, le gouvernement est... qui prend tout de suite position sur le ring, hein, qui a déjà un avantage psychologique important. Le jeune recule, mais ne rompt pas pour l'instant. On va voir, ça va être un peu, Frédéric, un round d'observation avec une première prise là. C'est violent quand même. Ouais, c'est, ouais, mais c'est le gouvernement qui a commencé un peu. Hein. Ouais, c'est, pas, c'est toujours le gouvernement qui commence. Il a l'avantage en même temps. Hein. Ouais, il a l'avantage, il a l'expérience. Mais regardez le jeune, regardez le jeune qui est en train de travailler au corps là. Il plie, mais... Ouais, le jeune est en train de faire quelque chose d'intéressant. Il y a une grimace complètement le gouvernement. Il se dit, est-ce que j'ai eu raison? Et non, mais il s'est bien rétabli. Et là, cette fois, c'est le jeune qui est au tapis. Oui, mais le jeune est au tapis. Mais regardez comment il se remet d'aplomb. Superbe prise au sol là. Et j'ai l'impression que le gouvernement est en train d'abandonner. Non, il lâche pas le morceau. Non, il lâche pas le morceau comme ça. Hein. Non, tout est remis en question. Mais ça fait mal. Putain, c'est dingue. Mais ça va pas. Mais le gouvernement est un peu brutal, vous trouvez pas? Non, je trouve qu'il y a un petit horrible. Peu de violence, mais... Oh les jeunes, non, doucement. Direct au buffet. Aïe. À la carotide. Il est mal, le ministre. Il est pas mal, le jeune, hein. Il est mal, le ministre, là. Il a pris un coup à la carotide. Et le deuxième derrière la nuque. Là, cette fois, je crois qu'il est bon pour le compte. J'ai l'impression qu'on va assister à une victoire surprise des jeunes. Et l'arbitre n'a rien dit, tout ça, parfaitement réglementaire. Ouais, l'arbitre, il est... Qu'est-ce qu'il dit, l'arbitre? Il dit rien pour l'instant. Dans la tête, c'est normal, alors. Bon, Fred, qu'est-ce que t'en penses, finalement? C'est la jeunesse, hein? Oui, la jeunesse se défend bien, Mais regardez, personne ne réfléchit. Allez, une succession de jabs, comme dirait Pierre Fula. C'est parti. Allez. Il se rend coup pour coup pour l'instant. J'ai l'impression que le gouvernement s'est un tout petit peu fait l'air cerise. Pas vraiment. Car de nouveau, une deuxième attaque, une deuxième manif en quelque sorte. On comprend pourquoi ça se passe pas au niveau du physique, hein, entre le gouvernement et les jeunes. Et voilà. Avec une double torsion et un contre. Ah, c'est toujours très très indécis. C'est surtout très spectaculaire. Il a touché le poisson sensible. Non, il a touché le poisson sensible. Non, il a pas le droit de... Oh. Ah bah moi, j'ai vu ailleurs, hein. Ouais, elle l'a vu ailleurs et elle est spécialiste quand même. Oh non, mais ça va pas, non. Allez. Ah, là, je l'ai bien vu. Ah bah attendez. L'arbitre, il dit rien, les coups sous la ceinture sont autorisés. Ça veut dire que le gouvernement ait tenté une manœuvre un peu illicite. Ouais. Ah, mais attaquer un homme à terre, c'est pas ça. Ouais, c'est pas bien, monsieur le gouvernement, là. Le jeune est à terre, là. C'est incroyable, ce truc. Ça, il est en train de lui faire une torsion du tibia, là, je te raconte pas. C'est fini, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'arbitre? C'est le gouvernement qui a gagné? Match nul. Ah non. C'est-à-dire que le gouvernement, effectivement, semble l'avoir emporté, mais l'arbitre a dénoncé des moyens illicites. Voilà, donc il y aura... Il y a match nul 6-4, là. Voilà, bon, bah, match nul. Ça va se finir dans les rues, comme d'habitude. Alors. Vous êtes disqualifié, il semblerait que vous ayez donné un coup de genou, ce qui est parfaitement interdit. Bon, vous êtes prêté à cette simagrée, merci beaucoup. Simplement, vous êtes en spectacle, donc pour ceux... Est-ce que des gens qui ne sont pas habitués de voir du catch peuvent venir vous voir? Bien sûr, sans problème, donc c'est indiqué le 23 avril à 15h, au studio Génie. Il y a un parking gratuit, on est accueilli très bien par Monsieur Fausto.
à Monsieur Fausto qui est là, qui est un peu le pilier. Oui, bonjour. Oui, alors le 23 avril, dimanche après-midi à 15h, vous pouvez les voir catcher eux, puis 8 ou 10 autres. Regardez, voilà, si le gouvernement a gagné, en revanche, la femme a choisi son camp, puisque elle couvre de baisers les jeunes. Désolé, monsieur du gouvernement. Bon, l'émission se poursuit un peu plus loin. Merci en tout cas, soyons sportifs sur France 4. Voilà, 20h50 tous les dimanches.